Bonjour, aujourd'hui donc on va voir une autre astuce sur Excel, c'est les filtres sur les tableaux croisés dynamiques. Donc ici on a un tableau, ici là des dates et ici des quantités. On va donc insérer un tableau croisé dynamique. Voilà donc ici les dates et ici les quantités. Dans ce tableau croisé dynamique. On clique ici et on va insérer. Donc ici insérer un filtre chronologique. Donc ici on a les dates. On clique donc sur un filtre chronologique. Voilà. Donc ici il est ici par mois. Donc lorsque je clique sur par exemple ceci, on paraît donc selon les mois. Je vais donc cliquer comme ça. Selon le choix ou bien selon le trimestre. Il me donne donc les données selon le trimestre. Ou bien selon l'année. Le jour. C'est ça la spécialité de cette leçon pour Excel 2013. Ok, à la prochaine.